que je te dis que la force se mise en œuvre de ce projet de l'Institut. Le projet de l'Institut est un projet qui a été lancé le 27 septembre, comme on l'a dit, il va être en. Et il a pu faire officiellement le 31 décembre. Voici donc le rapport de mise en œuvre. D'abord, avant de présenter le rapport de mise en œuvre, il convient de pouvoir préciser un certain nombre de choses sur le projet d'université. Le projet d'université, qu'est-ce que c'est ? L'université est un projet initié par le groupe de Mandela Washington Fellows, dont le principal ouvrage est l'application mobile et le web intégré. Il répond ainsi à la nécessité de pouvoir mettre les outils du numérique au service de la décentralisation et du développement local. Il a été lancé le 27 septembre et a officiellement pu faire le 31 décembre 2018. Excusez-moi, c'est le 31 décembre 2018. Qu'est-ce que vise l'Université ? L'Université a pour objectif de pouvoir contribuer au développement local inclusif et participatif. Et comme objectif spécifique, cette technique vise à permettre une participation citoyenne active à la gouvernance locale, contribuer à la bonne gouvernance et rapprocher plus l'administration locale des citoyens. C'est disant d'autres de pouvoir collecter un certain nombre de données par rapport aux collectivités. Le projet d'Université rassemble un certain nombre d'acteurs, à savoir d'abord les citoyens, les collectivités, les services concédés et les autres services. Si nous pouvons ainsi dire, il y a trois différents acteurs, les citoyens, les collectivités et les services. Le schéma fonctionnel de l'Université est le suivant. Vous avez d'un côté le citoyen, vous avez de l'autre les collectivités, les services concédés et les services. Et vous avez au milieu l'application qui est le moyen, le canal par lequel les deux grandes entités communiquent et bien sûr la coordination qui facilite cette communication. Les activités réalisées dans le cadre du projet d'Université. Comme activité de la coordination, le 7 septembre 2018, il y a eu le lancement. Il y a les travaux au bureau pour la coordination. Il y a les séances de sensibilisation sur l'université. Il y a aussi un taux de sortie de concertation. Il y a les sorties d'évaluation des solutions et les émissions radiophoniques. Sans toutefois oublier l'activité de l'évaluation année par an qui a eu lieu en décembre 2018. Les résultats auxquels l'Université est arrivé, à ce jour, on peut noter un intérêt ou un engouement mental des citoyens à la gouvernance locale. Donc, nous avons noté la question de la population qui en voit la contribution malgré les problèmes liés à la connectivité et à la défaillance des réseaux de communication. Il est à noter aussi le rapprochement remarquable entre l'administration locale et les citoyens. Il y a aussi un début de construction d'une carte de données. À ce jour, il y a une licence d'une carte de données de la vie de l'étudiant. Aussi, il faut noter une bonne interaction entre les différentes administrations impliquées dans le cadre du projet d'université. Cette administration soit justement celle qui anime la vie de la communauté. Les moyens de financement d'Alette. Nous avons vu que l'application est le principal ouvrage du projet d'université. Donc, le principal outil du projet, c'est l'application d'Université, mais au-delà de l'application, nous avons aussi l'ouverture d'un compte WhatsApp, il y a l'ouverture aussi d'une ligne téléphonique, et il y a même des citoyens qui se déplacent à la coordination pour pouvoir faire un certain nombre de déclarations. En termes de résultats d'alerte, nous pouvons noter qu'il y a 117 alertes qui sont lancées. 79 alertes exploitables, 42 non exploitables
et 31 alertes résolues, 48 alertes non résolues. Pour ce qui s'agit des 42 demandes d'exploitation, vous allez noter qu'il y a une carence d'information. Je disais donc, pour les 42 alertes non exploitées, non exploitées plutôt, c'est une carence d'information que les images ont. Donc, quand les informations arrivent sur les serveurs de la corporation ici, il y a un manque d'informations, un manque d'images, ce qui ne permet pas d'en avoir ces alertes. Pour les 48 alertes non résolues, c'est surtout par la nécessité de gros investissements. C'est-à-dire que les problèmes qui ont été signalés par ces alertes nécessitent de gros investissements. C'est-à-dire que l'administration qui a été touchée à ce propos est consciente et en train de chercher justement les réponses pour pouvoir porter une solution. Les natures des alertes, c'est justement comme tous les pays en Afrique, c'est des problèmes d'assainissement. Donc, la première, sinon, l'alerte qui est la plus grande, c'est concerne les déploiements sauvages, le déclenchage des câbles de chute de poteaux, les risques d'inondation, une alerte mise sur le tissu automatique non sécurisé, coupure de voie par les eaux stagnantes, difficulté de traverser des chaussées par les élèves, des dalles de franchissement cassées, des tuyaux de débit cassés, découverte de corps sans vie et défaut d'entretien d'espace public. Les alertes résolues, c'est les câbles électriques remontés, les dégagements de dépotoirs, les traversées sécurisées des élèves par un élément de police ou d'heures de fin et de reprise de boue et les tuyaux de débit. Vous allez, dans un moment de plaisir, c'est un nombre d'images qui reflètent les activités. Vous avez ici un membre de la coordination qui est en pleine séance de sensibilisation à l'endroit de la chefferie traditionnelle de la sécurité. Vous avez ici l'émission radiophonique qui a été menée avant la relation amicale. Vous avez ici un dépotoir sauvage qui a été signalé au niveau du district. Le dépotoir de porte qui va sous la voie a été signalé. En même temps, vous voyez ici que la lettre qui est en train de se produire, vous voyez dans le fond de ceux qui ont pris la vue, des gens qui sont en train de le voir. Et ça continue ici la résolution. Vous avez ici une rue contrôlée par un dépotoir sauvage dans la station, c'est une de la version régionale du plan. Elle a été vue et elle a trouvé un début de solution. Si vous passez là-bas, vous avez une rue totalement dégradée pour que les gens puissent passer. Ici, c'est un déclenchage du câble. Vous voyez le câble qui est déclenché, qui est par terre. Nous avons des amis qui ont traversé ce câble, ce qui est vraiment dangereux. Vous voyez que c'est un peu plus sûr. La coordination s'est quand même dépassée là-bas. Et puis, la coordination a touché le sol de mer 5 minutes après. Le coût de la cité était là, c'est pour apporter une solution, c'était vraiment formidable. Donc, si vous voulez dire que vous montez, c'est vous dans le domaine où nous sommes allés faire la concertation. Ici, c'est une galette passée. Ici, c'est une rue qui a été presque coupée par une constatance, une déconfinement. Il y a une solution qui a été apportée, mais c'est une solution provisoire parce que ça constitue un grand. Ça demande beaucoup d'investissement. Ici, vous voyez des enfants qui attendent la présence d'un conducteur pour pouvoir traverser la rue et aller à l'école. C'est difficile. On a fait ça et la police a résolu ça. Maintenant, quand vous passez là-bas, vous avez un policier qui est la situation. Ici, c'est donc, un village de Cameroun qui a été faite après une arrêtée. Il y avait ici un couteau qui est en voie de tomber et qui a été dérosé. Vous avez ici le préfet qui est en train de constater la réduction d'un arrêté liée à la passion de la.
Voilà, ça c'est la sortie de la population pour constater une alerte de risque d'inondation dans les parages de Kouapa et de Idoussi. Voilà, c'est seulement dans la constatation, mais vous allez voir le monsieur qui s'est passé tout près de la Dalès, c'est le directeur de technique de l'Algérie, et nous nous sommes activés selon de la coordination et vous voyez les autres. C'est eux qui ont passé. Donc vous avez en même temps une composante pratiquement de tous les acteurs de l'université dans cette zone. Voilà, ici ça c'est une alerte qui a été signalée dans la préfecture précisément au niveau de l'entropé. Voilà, au niveau de l'entropé, la coordination s'est déplacée à tout déjà constaté que le tombé à main. La coordination a signalé que le tombé a été renversé à droite de l'image. Ici, ça c'est un village de Kanivo dans le quartier de Patetiba. Mesdames et messieurs, toutes ces alertes ont été lancées à partir de l'application de l'université, comme vous l'avez dit. Mais les difficultés que nous avons eues dans la mise en œuvre de cette monsieur Fouquet, qui est à sa place de l'autre, c'est la difficulté de mobilité de la coordination. Il manque également de moyens de déplacement politique pour la mobilité. Le retard de la résolution des alertes par les services concernés, la faible connexion Internet dans la zone multiplée, la difficulté d'utilisation de l'application, sur les instructions des utilisateurs, il y a la faible connaissance des smartphones. La solution pour surmonter ces difficultés, c'est d'abord et avant tout le ferme engagement de la CNP de coordination, parce que quand vous n'avez pas suffisamment de moyens de travailler, il faut que vous ayez un ferme engagement pour pouvoir continuer. La présence effective du projet de SONASD au côté de la coordination et la plus sporadique des présidents de l'éducation de la préfecture de commune avec le conseil. La mise sur pied de numéro WhatsApp. La relation avec la radio, disons, pour passer des communautés, des sensibilisations, pour mobiliser les gens. Les recommandations qui sont à faire à cette étape où nous sommes, c'est que si le projet doit continuer, de pouvoir aider à la mobilité de la coordination, les services conseillers devront aussi évoluer. Forces et bien les services qui ont été touchés dans le cadre de ce programme en fait de l'eau des femmes qui devront encore réduire le corps. L'intensification de la collaboration entre la coordination et les services concernés et revoir l'architecture de l'application, pouvoir inclure l'option voix et la prise de photos directement à partir de l'application. Les gens arrivent quand même à pouvoir installer l'application, à l'ouvrir pour pouvoir signaler une alerte, mais seulement que pouvoir manipuler et puis un texte pour signaler les différents compartiments qui sont dans l'application qui n'arrive pas. Donc, c'est de voir si on peut inclure un volet voix pour quelqu'un qui n'arrive pas à écrire, qui puisse passer directement par la voix, comme ça se passe à l'avant. Il s'est mis de l'idée, mesdames et messieurs, la perspective du projet de l'université, la seule perspective qu'il y a, c'est de institutionnaliser le concept de l'université. Dans ce cas, il s'avère important de pouvoir faire des échanges avec les confrères ayant une longueur d'avance sur le concept développé par l'université. Cela permettra un peu de pouvoir consolider les acquis de la phase pilote pour une meilleure extension vers les autres communautés. Il s'agit d'inviter le temps de mesure. Dans ce cas, l'université s'est affirmé comme un important canal de participation citoyenne, plus active à la vie de la communauté. L'Institut se pose donc comme un bon outil d'amélioration de la gouvernance locale, ce qui est une problème à l'homme de notre pays d'être engagé très activement dans le processus de décentralisation. Distingués députés, mesdames et messieurs, on dit souvent que attendre d'en savoir assez avant d'agir, c'est se condamner à l'inaction. Voilà, l'ensemble des activités comme le lien de l'appareil Facebook. Vous avez ici une activité de groupe propre, attribuée souvent par
et notre vie, vous avez laissé tout pour vous en tout de suite. Une constatation de photo et une résolution à gauche de Valette. Vous avez ici le lancement de l'université. Vous avez ici les travaux de travail d'un niveau à l'école publique de Atifi. L'université, dans la phase dans la page Facebook de l'université, nous importons un certain nombre d'initiatives qui rentrent dans la philosophie que développe l'université. Donc vous allez voir ici les gens qui sont en train de mener des initiatives dans la société. Une jeune progresse qui a développé un certain nombre d'initiatives intéressantes. Comme je l'ai dit, c'est une importante initiative qui sont intéressantes. Ici, vous avez l'association des équipements qui sont en train de développer à nouveau le niveau de l'élément humain. Vous avez une initiative à partir de l'eau qui consomme l'air notre table. Donc ça, c'est la coordination en plein travail. Vous avez ici un jardin en plein revue. Vous avez ici la résolution de la lettre qui a été dans l'un des plans. Voilà. Il y a aussi un nouveau néphratique. Dans la nuit, où il fait totalement sombre, ça a été signalé aussi dans la population, il y a une solution qui a été trouvée. Ça, c'est l'émission radiophonique de la Réunion. Et vous constatez le centre de l'émission sur le terrain. La même descente pour la résolution de. De la lettre, et ici la sensibilisation. Bref, mesdames et messieurs, l'université a mené quand même un certain nombre d'activités et encourage en même temps des initiatives qui ont été dans la philosophie de l'université. Je vous remercie une fois encore pour vous remercier pour votre attention. Merci.